OK, je vais faire un récapitulatif de ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'ici avant de continuer. Depuis ce matin, il était question hein, pour nous de créer un projet dans WinDev. Donc, nous sommes en train de faire depuis ce matin une étude de cas, une étude autant pour moi de cas. Hein. Pour étude de cas, donc, on a pris un projet qui permet ou qui permettra de recenser les Camerounais à l'étranger. Maintenant, vu donc que nous l'avons commencé avec WebDev hein, et l'équipe de NIEM a décidé qu'on fasse tout, qu'on revienne. Ce matin, en principe, ce matin, je ne devais pas m'asseoir pour coder. Oui. Ce matin, c'était. Et Yébé, tu as fait quoi? Je prends la main de sa machine, il nous explique, hein, et il pose ses difficultés, et ainsi de suite. Mais vu donc que Jack n'était pas avec nous, hein, Ulysse a la typhoïde, donc il est malade. Hein, tu vois donc que j'ai donc une fois profité de reprendre tout. Donc moi, je prends la main. Mais à la fin de l'heure, il faudrait que je vois ce que vous avez fait. Ça, c'est le plus important. Et aussi, à la fin, comme Niem essayait d'expliquer, vous allez poser toutes vos questions. Donc, il y aura ce qu'on appelle une séance questions-réponses qui peut être webinarisée. On peut faire ça hein, comme une vidéo. À la maison, quelqu'un peut encore suivre ces mêmes questions. Hein? Donc, ça dit, comme vous n'avez pas les micros, quand quelqu'un va poser sa question, moi, je reprends sa question et je réponds. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, donc, nous avons donc fait la fiche de recensement. C'est-à-dire, on était en train de tester la dite fiche. On voyait que c'est bon, on peut rentrer, on peut venir, on peut rentrer. Hein? On a nos pays, on peut dire Cameroun, vous voyez déjà. Hein? On peut mettre la ville, on peut, y a tellement beaucoup de trucs. Si oui, hein? Maintenant donc, le petit truc qu'on va ajouter ici, vous allez voir pourquoi. On va mettre tout ça. Je vais créer, je vais mettre ça dans un champ à disposition. Hein? Lequel champ? Bon. Ça signifie quoi? Ceux-ci seront, je crée un groupe pour eux. J'appelle ça occupation. Alors, qu'est-ce que je dis? Par défaut, moi-même égale zéro. Alors, je dis selon K1, on a ce que ça. K2, on a ça. Alors, K1, si il a une occupation, c'est vrai, non? Ah, je veux dire. Excusez, je vais mettre valeur. C'est mieux. Voilà, donc je dis, si c'est 0, si c'est 1, hein, si c'est 0, donc on n'a que les deux cas. Je ne sais pas pourquoi on va mettre. C'est ça, non? On n'a que les deux cas. On va donc d'abord tester pour exécuter, pour voir.
En principe, oui, c'est ça donc. C'est ça donc. Le champ de disposition ici, c'est un champ qui dispose de façon automatique les champs en l'absence de. Donc, je prends un exemple. Voici nos champs, n'est-ce pas? C'est là. En version 22, c'était difficile pour gérer ça. Il n'y avait pas un champ de disposition là-bas. Il n'y en avait pas. En version 22, on gère ça techniquement. Voilà. Tu vois donc que ça devient. Oui, tu vois. Par défaut, c'est là. Bon, maintenant, le champ d'exposition là, je vais enlever l'ascenseur. Je ne veux pas que l'ascenseur y figure. Non. Voyez un peu. Alors, Oui. Tu as vu dans le Tu vois? Voilà. Donc, voilà le supplément. C'est-à-dire, on a déjà un formulaire. Il y a certains champs qu'on va enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu, j'ai sélectionné. N'est-ce pas? Je suis venu dans. Bon, essayons aussi de faire ça ici. Par exemple, je peux faire ça ici. 1, 1, 1. Clic droit. Refactoring. Il y a beaucoup de choses, ça me propose. Est-ce que je veux créer une zone répétée avec ça? Est-ce que je veux créer un champ de fenêtre interne avec ça? Est-ce que. Vous voyez? Disposition. Donc, voilà donc ce qu'on peut faire. C'est bon maintenant pour tout le monde. Alors, maintenant donc, on l'a fait. Nous sommes toujours dans le récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Comment? Ta question est celle de. Ta question est celle de savoir le rôle du champ de disposition, comme son nom l'indique. Dispose le champ. Je te prends un cas très simple. Voici un cas simple ici, à plan 2. On a un formulaire où il y a des interrogations. Avez-vous un travail? Bon. Niamon peut dire, avez-vous un travail dans votre pays ou non? Bon. Ok. Maintenant. Ok, donc c'était juste pour répondre à Ulysse. Ulysse, le tout, la clé c'est ce booléen, cet interrupteur, comme nous sommes au niveau du champ. Qu'est-ce que je dis? Tu vois, au départ, on suppose que il n'a pas de travail. S'il n'a pas de travail, il a résolu son truc et lui, il s'en va. Il n'a plus de problème, non? Maintenant, s'il a un travail, c'est-à-dire, le Cameroun ne sait pas ce qui se passe après. Lui, il fait tac, tac, tac. Il coche. Il voit que il y a encore deux nouveaux champs à remplir. L'occupation et
la date de prise de fonction. Hein? Maintenant, donc, voilà donc où vient donc où le champ d'expression devient important. Parce que en 22, donc, de la version, les versions antérieures à la version 23, vraiment, c'était les véritables castes-chinois. Hein? Si j'étais en 22, au lieu de me compliquer la tête, j'allais couper le champ jusqu'ici. Hein? Je mets mon affaire là, ici. Hein? Oui, oui. Date fonction, mettez c'est ici. Maintenant, les boutons, si. Je les mettais en haut. Hein? Hein? Monsieur Tchentchou, au lieu d'utiliser les formules mathématiques selon X, selon Y, pardon. Oui. Parce que là, il fallait encore déplacer. Là, maintenant, on allait plutôt utiliser, on allait dessiner les champs. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, ça peut se faire. Mais pour éviter trop de... Pour éviter, moi, j'allais venir même en valider ici. Mon retour ici. Vous voyez que le bas ne me gêne plus. Même si ça vient, même si clique sur oui, sur non. Oh, le champ de disposition vient nous rendre ça beau. Parce qu'avant, les gens faisaient comment? Les gens grisaient. Tu vois, non? Ils grisent. Ce n'était pas toujours beau. Ouais, un peu. Aujourd'hui, on ne grise plus. Tout le monde qui a la version 23 jusqu'à la version supérieure, il y a déjà un champ de disposition qui ne laisse plus les trous. Automatiquement, les champs se rangent. Donc, voilà un peu. Je pense que j'ai répondu à ta question, Ulysse. OK. Donc, nous sommes venus ici. On a créé des fenêtres internes pour pouvoir nous afficher certaines informations. Tu vois, à l'intérieur ici, on a écrit des codes. Le code d'abord pour afficher tout ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Maintenant, le code pour la rupture et une procédure locale qui nous remplit chaque ligne de chaque table. C'est-à-dire, c'est Eyebe qui me posait la question, comment on va faire pour remplir? Tu as vu comment on a rempli? Tu pouvais aussi faire ce que nous avons l'habitude de faire. C'est-à-dire, on surcharge notre classe. Hein? Après, notre, oui, exactement. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Maintenant, donc, on était maintenant plan 1, maintenant plan 2. On dit, bon, on va aussi afficher ça comment? Du genre, peut-être aussi la photo, hein, et le nom de la personne. Si quelqu'un veut, il met aussi le pays, bref. Et on a donc choisi de remplir ça par programmation. On a choisi de remplir ça ici par programmation. Pour dire, ici donc, à off, je peux bonnement appeler, je peux exécuter la procédure là. Hein? Exécute, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? Exécute traitement, hein? Liste. C'était quoi? Liste. Voilà. Hein? Et le traitement à exécuter, c'est la procédure. Ouais, un peu. Sommet, là, durant les gens aujourd'hui. Hein? C'est pas facile. On va aller, ça va aller. Ne dormez pas. Parce que les questions après, là. Parce que quelqu'un me pose une question que j'ai dû expliquer, j'ai eu à expliquer cela, ça que c'est grave.
Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc, voilà un peu le recap. Jusqu'à maintenant, donc, la fenêtre, on a notre fenêtre principale là. Elle est où? Fenêtre diaspo, qui se repose sur notre fenêtre modèle. Hein? Notre fenêtre modèle, on a donc, bon, si j'exécute notre fenêtre modèle, un peu pour voir. Hein? Vous voyez, vous vous demandez, on fait ça comment, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Hein, Ulysse, c'est bon ici? Oh bien, il y a toujours des zones d'ombre. Le rouge est là, n'est-ce pas? Ouais, tu n'étais pas là. J'ai pris une forme que j'ai appelée ça bandeau. J'ai fait clic droit. Hein? Voilà. J'ai dit bandeau. Donc, je lui dis la hauteur, la position hein, du bandeau par rapport au bouton doit être égal. Vous voyez un peu. Ceci nous permet de connaître qu'on a sélectionné quand même quelque chose. Hein? Maintenant, donc, et j'ai donc, et pour donc répliquer ça partout, j'ai fait 1, 2, clic droit. Hein? Vous voyez déjà. Non, c'est la même chose. Hein? La même chose. 1, 2. Oui, et clique sur le bouton recenser. 1, 2. Oui, je fais CTRL, non, et je sélectionne. Clic droit, code. Je peux tout écrire. Oui. Ah, survol encore revenu. Je vous écoute, vous dites. Voilà. Tu vois que survol vient quand elle veut. Tu pouvais pas le libeller. Tu transformes ça comme. Vous voyez un peu. Oui. Sauf que ça ne cale pas. Tu vois un peu donc. Ça ne me sert à rien. Donc, je vais enlever. Je peux dire entrée survol. Je mets vrai. Et là, je mets faux, mais ce n'est pas grave. Oui. C'est sur cette fenêtre modèle. La fenêtre même. Oui. Non, 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 on teste quelque chose. Tu vois. Voilà. Voilà donc en fait ce que nous avons fait. Et voilà donc le récapitulatif avant qu'on ne commence le code lui-même. Et soyez vigilants sur le code parce que il y a des petits trucs là qu'on a eu à faire. Donc, à tout à l'heure pour le. Pour